Eh bien bonjour les amis et bienvenue sur Père la Galère Gaming. On se retrouve ce soir sur du Pokémon épée, on va continuer notre aventure. Attendez. Ah c'est mieux, si je coupe le retour son c'est tout à fait mieux. On est, on va direction Smashing. Ce soir on va aller s'amuser un petit peu vers Smashing, on va smasher tranquillement. On va essayer de se prendre le badge. Et comme vous voyez il y a un petit peu de nouveau, salut. La caméra est là, elle me voit un petit peu du dessus, ça vous change un petit peu. Eh salut Master, comment tu vas? Eh aujourd'hui tu es à l'heure, effectivement, mais comme d'habitude, t'es jamais en retard, t'es jamais vraiment en retard. C'est juste que c'est comme ça. On a changé un petit peu quelques trucs comme ça. On va se mettre comme ça. Je sais pas si ça peut vous dire quelque chose, si ça vous va. Ou alors on peut aussi se mettre comme ceci. Du coup, on pourrait se faire ça aussi. On peut peut-être se faire ça si vous préférez. Je sais pas, c'est vous qui choisissez. On a donc notre nouvelle cam qui est installée. On a notre fond vert qui est juste derrière nous et qui a été assez compliqué à placer. Mais du coup, on est bien, on est content. La télé qui est du coup juste en face. L'ordinateur de retour qui est là de ce côté-là. Et l'ordinateur sur lequel je vois le chat et je contrôle OBS de celui-ci. Comme ça, le topo est fait. Et bonsoir et bienvenue, merci d'être là. Bonsoir. Attendez, je vais mettre. Voilà, sur cette scène-là, ce sera mieux. Ça va, Pnema? Pnema, comment tu vas? Est-ce que tu as passé de une bonne fête de Noël, Pnema? Et est-ce que surtout, tu as eu plein de cadeaux? Alors, comme tu vois, t'as vu, on a été très sage. Donc, on a eu pas mal de cadeaux. Et du coup, est-ce que tu peux voir, à part une machine à café dernier cri, j'ai eu aussi une Logitech. Donc on a profité avec un fond vert, faire ça tranquillement. J'ai réussi à le faire. Parfait, je sais pas. Non, c'est encore perfectible. J'ai encore quelques trucs à régler. Mais bon, disons que c'est plutôt pas mal. Ouais. Je suis assez content. J'espère que de votre côté, par contre, dis-moi si le son est bon, si l'image est bonne. Ah, une manette Switch Pro, eh bien, écoute, j'ai sorti la mienne aussi parce que d'habitude ça dépend des jeux. Il y a des jeux avec lesquels je joue avec la manette Switch Pro et puis il y en a d'autres avec lesquels je joue avec les manettes un peu normales, si je puis dire. Donc ma foi. On est plutôt pas mal et j'ai aussi une arme secrète qui est juste en dessous. Et alors pour l'instant je l'ai branché en wifi, donc on est en wifi, mais j'ai un routeur 4G qui est juste là, qui fonctionne très très bien. Et du coup c'est plutôt pas mal, ouais. Il n'y a rien à dire, mais écoute, je suis content. S'il n'y a rien à dire, écoute, c'est plutôt pas mal. On va se caler comme ça et puis on va y aller, quoi. On va y aller. Alors nous sommes en route pour Smashing. Et je pense que là on est au bon endroit. On va bien sûr prendre les Pokémon qui se trouvent sur notre route, bien que on soit un peu dans le mal, je vous avouerai. Tiens, celui-ci on l'a déjà, mais on peut le prendre. Et ah d'accord. D'accord, et ben oui. Du coup on va l'attaquer, ouais. Alors on a plus, comme vous le voyez, on a plus grand chose, mais vraiment plus grand chose. Je vais peut-être mettre la cam de l'autre côté. Non, elle... ouais, on va la laisser là, c'est pas grave. On va lui faire une petite nitro charge, celui-ci ça ira très très bien. Mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de... J'ai pas eu le temps, figure-toi, parce que j'ai passé toute la journée à configurer ça, si tu veux. Donc du coup c'est un peu compliqué. C'était un peu compliqué pour moi aujourd'hui. Mais tiens, on va lui faire un double pied. Ouais, c'était un peu difficile. Ouais, j'avoue, c'est un peu compliqué. Mais je regarderai ça, ouais, sur Discord. Et puis les miens, je vous ferai une vidéo dédiée à ça. Pour la cam qui est là, la Logitech, pour le routeur, je vous ferai ça dans la dizaine de jours qui arrivent là pendant les vacances. J'essaierai de vous faire ça, en fait. Allez, on a gagné des points d'expérience, ça c'est plutôt pas mal.
Ah, mais voilà, on est quasi directement en ville, alors je pense, hein, je pense. J'espère en tout cas. Ce qui serait sympa, et peut-être pas, remarque. Allez, attends, on va aller chercher la Pokéball qu'il y a ici déjà. Hop, comme ça. Voilà, je vais rapprocher le micro de moi. Alors, on trouve une lentilloscope. Ok. Objet à tenir, une lentille qui augmente le taux de critique, du porteur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, salut Miss. Alors, Léopardus, une Miss Léopardus sauvage apparaît. Non, nous on va faire autre chose. On va s'enfuir parce qu'on l'a déjà. Ce qui m'arrangerait, c'est vraiment d'arriver vraiment en ville en fait, les gars, parce que là on est un peu dans le mal. On a eu du mal à arriver jusque là en fait. Fais voir, parce que on va voir ce qu'ils nous disent. Alors, Smashing, c'est par là. Bah écoute, on va aller sur Smashing. On va se soigner, puis après on fera le reste. Je suis vraiment désolé, c'était pas prévu, mais je dois partir. À tout à l'heure. Peut-être vers la fin du live. Ouais, mais il n'y a pas de souci. Merci en tout cas d'être passé. Merci Master. Hein. Merci à toi. Pas de problème. T'inquiète pas. Alors. Ok. Alors, impossible d'entrer dans Smashing, ça fait des plombes qu'on attend. Comment va-t-on faire pour défier le champion d'arène de type ténèbre? Ah, c'est du petit type ténèbre là, ok. Alors, pourquoi le rideau est baissé? Comment va-t-on faire pour obtenir le badge? Alors, psst, Ethan, par ici. Ouais, je fais super bien le psit, je sais les gars. Vous en faites pas. C'est des années d'entraînement pour faire un psit valable comme ça, vous voyez. Psst, voilà, comme ça quoi. Attendez, on y va. Il a des watts. On va prendre un petit peu de watts. Alors, vas-y Lydie, c'est bon. Un grelasson. Alors le grelasson, on va le faire super cramer. Ok, c'est super efficace, on aime bien. Ouais, carrément. Carrément, c'est pas mal. On a bien fait. Alors il faut que je me réhabitue à être placé comme ça parce qu'on est déjà placé encore différemment de la dernière fois. Donc ça va prendre le temps que ça peut, les gars. Mais on va y arriver tranquillement. Alors, on a obtenu 272 watts, ok. Et on va aller voir la miss qui est juste là, qui nous a fait... faites voir. Oh, c'est beau ça. Salut. Je sais pas si on va y arriver, hein, parce qu'on a vraiment plus rien. On est vraiment à poil, les mecs. Un moyade, d'accord. Alors, le moyade, on va... Aucun effet. Ah, mais on a déjà dû le prendre alors, ok. On va changer de Pokémon du coup. Fais voir. On va faire comme ceci. On va aller là-dedans. Pas très efficace. Allez, on va prendre Tranche Nuit. On va l'envoyer au combat. Enfin, Tranche Nuit. On va prendre Angel et puis on va l'envoyer au combat, bien sûr. Ok, bon, il augmente la défense. Nous, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui faire un tranche nuit, tiens, comme ça. Ce sera pas mal, on l'avait annoncé déjà, du reste. Bienvenue à tous, en tout cas, ne soyez pas timide, vous pouvez parler sur le chat, je vous mangerai pas. On est en famille, on est à la maison, ici, vous venez comme vous êtes, installez-vous confortablement, mettez les pieds sur la table, ou pas. Prenez un café, prenez quelque chose et puis on est parti. Du coup, tiens, on va faire une mâchouille et puis ça devrait le faire pour le moment. On doit être pas mal là comme ça. Ouais, c'est bon. Parfait. Ok. Alors, votre équipe a gagné des points d'expérience. Ok. On va par contre se mettre là et je... Voilà, ce sera mieux. On regardera si ça tient. Je fais des essais, je suis désolé, je viens à peine de lancer ça, donc de le configurer. Donc il faut que je fasse un tout petit peu des essais, voir si ça tient. Si c'est bon, si ça passe easy cacahuète ou pas. Allez, on a obtenu 272 watts. Attends, il y a un truc qui brille là aussi.
Une muscle plus, pardon. J'allais dire une mini capsule, pas du tout. C'était pas ça. Alors, par où elle nous fait passer? Elle nous fait passer par là, ouais. Ok. Attends, j'ai vu un truc qui brille, chouchou. Je crois, en tout cas. Ouais, ici. Alors, vous avez trouvé des capsules grand stat. Garde stat, pardon. Autant pour moi, empêche la baisse des stats de tout Pokémon de l'équipe pendant 5 tours. Ah, mais c'est plutôt pas mal, ça. On va regarder ce qui pop. Iggy pop, pas du tout. Elle est mauvaise, elle est très mauvaise. Allez, un roublenard apparaît. On va fuir parce qu'on l'a déjà, en fait, on n'en a pas besoin. Allez, allez, tranquille. Faut que je me mette une petite tablette de ce côté-là. En fait, je pense que ce sera mieux. Allez. Salut. Alors, tu veux rentrer dans la ville? Je peux te montrer par où passer. Je suis né ici. Je connais le coin comme ma poche. Ah bah oui, je veux bien. Mais on a rien sans rien. Si tu veux que je t'aide, faudra que tu me battes contre moi. T'es d'accord? Alors, attends, non. Pas là. Deux secondes, on va se soigner. Attends, on arrive. On va juste soigner un petit peu tout le monde, non? Voilà. Ok, parce que là on n'a pas grand chose du coup. Fais voir un petit peu les statuts de tout le monde là. On va se mettre là. Lio il est KO, donc on va rappeler Lio. On va l'utiliser là comme ça. On va prendre ça. On va le soigner. Bim, une super potion. Voilà, pi, voilà, pas, voilà, poum. Fais voir une super potion qu'on va utiliser comme ça sur Didi. Ça devrait le faire. Ouais. On y est presque. On va en utiliser une autre pour Amandine. Comme ça. C'est pareil, on y est presque. Et puis lui, par contre, on va... Voilà. Allez, ça va. Ça devrait le faire. Juste pour là, ça devrait le faire. Et puis on va y aller. On va aller lui tanner les... Alors, tu veux rentrer dans la ville? Oui. Bon, on n'a plus beaucoup de choses, mais on va essayer de faire... On va essayer de faire comme on peut. Allez, avec joie, Rosemary. Allez, la team Yel. Alors, t'enchaînes les victoires comme moi et t'as tout mon respect en tant qu'adversaire. Mais trop de gens comptent sur moi, je peux pas me permettre de perdre. Ok. Allez, on y va. Alors, Rosemary, la dresseuse, veut se battre, ok. Alors, elle envoie un Léopardus. Alors, je me suis entraîné, je suis plus forte qu'avant. Et on est censé prendre notre compte. Allez, on va lui faire un double pied, celui-ci. Allez, Léopardus, normalement ça marche très très bien. Par contre, on la finit pas, mais... généralement, on la... Ah si, si, on la one-shot. Ah oui, oui, mais vous voyez, je m'en souvenais plus. Si, si, on la one-shot. Ce qui est plutôt pas mal. Ok, le Léopardus c'est fait, votre équipe a gagné des points d'expérience, ok, ça c'est bon, on est pas mal. Mastermon augmente de niveau, oui, on est bien. Ok, alors un Quatox, on sait pas ce que c'est je crois, je me souviens pas. On va garder Didi, je me souviens pas avoir rencontré un Quatox. C'est un peu dommage parce que on va l'attaquer avec du feu, ça devrait être bien, mais on a plus grand chose. Hein. Vraiment. Clairement on n'a plus grand chose. Ok. On est pas mal comme ça. Ouais, c'est clair, j'aime bien moi aussi Pnema. Elle est vraiment goldée, ouais, effectivement. Tiens, fais voir, on va y faire une nitrocharge, ça devrait passer. Ou pas. Ah non, on est confus, mince. On se blesse du coup. J'avais pas vu ça. Bon. Ouf. Ça fait son lot de dégâts. En plus, il va nous empoisonner à tous les coups. Fais voir. Est-ce qu'on peut arriver à faire quelque chose là comme ça? Ou il va falloir qu'on change, peut-être. Ok, c'est bon, ça c'est fait.
Ça, c'est pas mal. Alors, votre équipe a gagné des points d'expérience. Ok. On est bon. Didi rencontre. Ah, punaise, 1100 on a pris d'XP. C'est plutôt pas mal quand même. Hein. Ah ouais, cette chanson, elle est vraiment super bien. Écoute, on va pas changer et puis on verra après si on a besoin ou pas. Ouais. Allez, hop, une nitro charge. Normalement, exactement. Normalement, c'est bon. Alors, fais autre fois. 2 secondes. Voilà. C'est mieux. Excusez-moi. On y est. Ok, votre équipe a gagné des points d'expérience. On est bon. 1000 encore. Bon, ouais, ça va. Ça monte tranquillement en XP. Hein. Voulez-vous changer de Pokémon? Un Morpeko. Non, non, on va pas changer. On va rester comme ça. Puis on verra après. On verra ce qu'on peut y faire. Hop, voilà. Je vais mettre différemment. Alors, on va attaquer. Oui, on va attaquer avec, je pense, un double pied, ouais. Normalement, ça le fait, hein. Ouais, je suppose, ouais, bien sûr, ouais. Eh, je suis assez d'accord avec toi, je l'ai trouvé, ouais, je le trouve assez facile, mais c'est enfin, j'ai pas trop de... les deux auxquels j'ai joué, en tout cas, c'est vrai que ce sont des jeux qui sont plutôt pas trop compliqués, mais bon, pour que ce soit, je suppose, à la portée de tout le monde. Ce qui m'a bien arrangé quand j'ai commencé à jouer à cette licence, parce que je savais pas du tout, j'avais jamais joué à des jeux comme ça, donc enfin à cette licence, donc du coup c'était plutôt sympa au départ. Mais bon, là, oui, ça, j'avoue que là, les niveaux, quand ils sont un peu trop disparates, c'est un peu compliqué, ouais, effectivement. Hop là. Ok. J'ai mon fils qui fait un peu le fou en bas, mais c'est pas grave. On va faire comme ça, on gagne des points d'expérience. Ok, c'est pas mal. Et on a battu Rosemary, ce qui est plutôt pas mal. On va pouvoir rentrer là-dedans et soigner tous nos Pokémon, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Le temps d'arriver là. Alors, je comprends maintenant pourquoi mon Morpeko est fan de toi. T'assures grave. Moi aussi, si je me bats, c'est pour tous ceux qui me soutiennent à Smashing. Ok, c'est parfait. Et j'ai bien l'intention de te battre à plate couture, un de ces quatre. Mais écoute, avec plaisir. Donc, je vais récolter les 8 badges et je prendrai ma revanche au Pokémaster. Pas de problème, ma chouchou. Pas de problème. En attendant, j'ai qu'une parole. Je vais te le prouver sur... Allez, hop. Super. Eh ben écoute, on est rentré dans Smashing, c'est plutôt pas mal ça. Vraiment. Vraiment bien, pour le coup. Ok, Smashing et ses ruelles éclairées. Smashing et ses animaux de... ses Pokémon de type ténèbres, pardon. Allez, on va se soigner. Parce qu'on en a plutôt besoin. Alors, bonjour, bienvenue au centre Pokémon où nous soignons les Pokémon. Ça tombe bien parce qu'on vient au centre Pokémon pour qu'on se fasse soigner les Pokémon. Sinon... Ok, voulez-vous que nous occupions de votre équipe? Ouais, s'il vous plaît. Très bien, confiez-moi votre équipe un instant. Ok, on est parfait. On est pas mal. Merci d'avoir attendu. Votre équipe a retrouvé la santé, mais de rien. A bientôt. Allez, c'est parti. Alors, on fait voir qu'est-ce qu'ils nous disent. Bonjour. Alors, il n'y a pas à dire, les dresseurs qui viennent à Smashing, ils ont de bonnes têtes de vainqueur. Merci. Et lui, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Puisque tu es là, vas-y, mesure-toi à Peterson. D'accord, bah on ira se mesurer à Peterson, alors. Parce que Peterson... Ok, bienvenue à la boutique Pokémon. Que désirez-vous? On va voir si on peut acheter... qu'est-ce qu'on a? Des hyperboles, des machins? Non, on va attendre peut-être. On a 47 000, mais on va attendre parce que si jamais on prend le badge, en fait, comme ça, on est parfait, quoi. Allez, on va quitter. On prendra encore des sous.
Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi, avec ta grosse épingle dans le dos? Et toi, t'as pas intérêt de faire pleurer le Morpeko de Rosemary. Mais non, mais je suis pas comme ça. En plus, on s'adore avec le Morpeko. Alors. Oh, la musique en ville, dis donc, elle est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Alors, personne ne pourra accéder à l'arène si le rideau reste baissé. C'est quoi ce délire? Je vais me renseigner. On va aller avec elle, je pense. Ah, au fait, tiens, prends ça. T'en fais pas, j'en ai en rab. Bonne chance. Vous avez obtenu la carte de la Ligue de Peterson. Ok. Vous rangez la carte dans votre album de cartes de la Ligue. Parfait. Alors, bienvenue à Smashing. Prêt pour la mission d'arène. Alors, hop, saute dans ton uniforme. Quoi, mais c'est ici? Mais non. Pour le champion, c'est tout droit. Tu peux pas le rater. D'accord. Alors, si on peut pas le rater. Mais c'est vrai, tous les rideaux sont baissés. C'est quand même assez bizarre, là. Eh bien, du coup, on va tenter ça. Ah, ouais, non. En fait, c'était trop facile. Alors, désolé, mais il n'y a juste pas moyen que je te laisse passer un gros bourge comme toi. D'accord. Je suis pas bourge. Quoi? Je te fais pas peur. C'est ça? Ok, tu vas morfler. Hop. Le sbire de la team IL veut se battre. Ok. On va se décaler un peu. Voilà. Et on va se mettre comme ça. Allez, vas-y, Didi, c'est bon. Oui, alors toi, un petit double pied, c'est normalement un one shot assuré. Ok, ça c'est fait. Déjà, quand c'est fait, c'est plus à faire. Ok, votre équipe a gagné des points d'expérience. Ouais. On est pas mal. Là, on est plutôt pas mal, les gars. Pour l'instant, en tout cas. Alors, waouh, tu m'as explosé avec tes Pokémon. Il n'y en a qu'un. Hein. On remporte un peu de sous. Est-ce que l'autre va s'y mettre aussi? Peut-être. Je t'avais mal jugé. T'as de la Street Cred, j'avoue. Bon, tu peux passer. 2 secondes, les gars. Ok. Rien de grave, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Allez, c'est parti. On continue. On peut rentrer là dans les maisons? Non, pas du tout. Ouais, c'est tout bouclé là, il y a eu peut-être un problème. Ok, allez. Ah, Mimi. Ah mince, je me souviens plus comment il s'appelle. Il y a comme un mur invisible, impossible de passer. Est-ce qu'on peut. Ah, bah oui, mais voilà. C'était ça qui se passait. Alors, tu croyais vraiment qu'on allait te laisser passer un bougre comme toi? Fais pas rien. Alors, sbire de la team Yel veut se battre. La sbire, pardon, de la team Yel veut se battre. Un rouble renard. Alors, le rouble renard, il va essayer de nous voler de l'argent, mais on va le one shot, on va le faire cramer. Parce qu'on aime bien. On avait appelé le premier rouble renard qu'on avait, on l'avait appelé Lionel. Ah oui, non, c'est un double pied pour lui, ouais, exact. Je me mettrai une petite tablette juste à côté. Ce sera bien plus pratique, je pense. Ok. Alors, Brunard ennemi est KO. Tout est KO. Votre équipe a gagné des points d'expérience. Ok, on est bon. Ok, bon, c'est pas mal quand même. Alors, je n'ai même pas eu le temps de me présenter. On remporte 3360 Poké-Dollars et on est bien. On est bien. Ah, je l'avais pas vu venir celle-là. Franchement, respect. Passe et regarde les néons tant que tu y es. D'accord. Ah bah finalement, ils arrivent à passer. Donc on va pouvoir le faire aussi, je pense. Alors, mi. Et ok, ça va. Donc je pense que c'est par ici que ça se passe, hein. Ah d'accord. Anarchie! Représenté
représente la team Yel. Ouais, je pense que ça va aller. Tiens. Alors, waouh, j'étais surpris un peu. Non, parce que moi, je suis surpris. Je me suis surpris tout seul. Et j'ai surpris mes genoux aussi. Ah, ok. Oui, l'atterrissage en douleur. On fait un petit combat pour oublier la souffrance. Mais si tu veux, mon chouchou, mais tu risques pas d'oublier la souffrance, du coup, ça va te faire mal. Alors, la sbire de la team Yel veut se battre. Je devrais la prochaine fois j'éviterai le t-shirt bleu parce que c'est trop proche du vert en fait pour quand je fais un live. Alors ouais, du coup là on va lui faire un double pied à celui-ci aussi comme Félicie. Normalement ça devrait le faire, on devrait arriver à le one shot. Ah non, juste hein, juste. Alors aïe, ouais ça va, ça va, ça va. Ça va plutôt pas mal. Ça bugouille un tout petit peu. Fais voir, on va faire une. On va faire ça. Une nitro charge, ça devrait être pas mal. Ouais, c'est bon ça. Vas-y Francky, c'est bon. Ok, on a gagné des points d'expérience, ça c'est parfait. On a battu la team Yel. Alors j'ai perdu et en plus j'ai hyper mal au genou, c'est violent. Ok, allez, 3360 aussi Poké-Dollars, tranquille. Ça va faire du bien. Tintin, alors j'ai perdu, mais au moins j'ai géré la douleur comme un pro. Tu peux pas me retirer ça, si tu veux, écoute. Allez, bim, on y va. On va récupérer la Pokéball qui est juste là par terre, là, en fait. Juste celle-ci. On est bien. Bum, bum, bum. Ah. On peut encore pas passer. Non. Est-ce qu'on peut passer par là? Non. Ah, je parie que ton équipe commence à fatiguer. Mais pas du tout en fait. Mais non. Wow, super. Salut les gars. T'as vu nos flip-flaps? On les a bossés comme des folles. Mais elles sont nickel, tes flip-flaps, ma chouchou. Elles sont nickel. Tellement scotché que tu vas me laisser gagner, mais pas sûr par contre, non. On fera peut-être pas ça, hein, les gars. On va peut-être pas les laisser gagner, on n'est pas comme ça. Alors, le sbire de la team Yel veut se battre, comme Krusty Bat, bien sûr. Ah, il est trop beau, ah, j'aime beaucoup celui-ci, vraiment. Vraiment pour le coup, celui-ci j'aime vraiment beaucoup. Allez, on va faire cramer ça. On va attaquer comme ça. Mais on l'a déjà affronté ça, non? Il me semble. On va y faire une aire de feu. Mais il me semble qu'on avait déjà. Il me semblait, pardon, qu'on l'avait déjà attaqué, c'est bizarre. Ok. Dimoré. Magnifique. C'était peut-être pas un comme ça, ouais. Ou alors c'était une évolution. C'est peut-être une évolution. Parce qu'il me semblait qu'on l'a eu celui-là. Ok. 1147. Allez. Vous avez battu la team Yel. Quoi? C'est déjà fini? Sérieux, l'arnaque? Bah, fallait être un peu plus forte, hein, ma chérie. Hein. Alors, Ethan remporte 3440 Poké-Dollars. Ok, on est bon. Oh, c'est pas mes flip-flaps que j'aurais dû bosser, mais ma tactique de combat. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Merci pour le rappel. Ben non, mais de rien, pas de problème. À ton service, quand tu veux. C'est quand tu veux, ma chouchou. Allez. On va partir comme ça. Ah tiens, salut. La team Yel, anarchie, ni challenger, ni maître Rosemary présidente. Ok. C'est le défi. Donc quoi? Tu te crois tout permis, tu viens chez nous comme ça? Non, on n'est pas comme ça, non. Sérieux, on n'est pas comme ça, je sais pas ce que... Alors, juste... Pardon, j'ai pas eu le temps de finir de me préparer. Allez, on y va. On va se les faire comme il faut, ceux-là. Alors, le sbire de la team Yel. Ah, tous les deux, ils veulent se battre, allez.
Avec un Léopardus, j'aurais peut-être dû prendre autre chose que ça, mais que Pikachu. Il faudrait que je change, que je mette pas Pikachu en troisième, parce qu'en fait, il est pas si bon que ça sur cet opus-là. En tout cas, du coup, on va attaquer. Je vais faire un double pied et on va le faire là-dessus sur Léopardus. Et lui, il va attaquer avec coup de foudre fatal. Et ici, je pense que ça devrait le faire, ça devrait aller. Léopardus, c'est bon normalement. Ouais. Et oui, c'est super efficace. Toucher deux fois, on est bien. Alors, votre équipe a gagné des points d'expérience. Oui. Ok. Bah, c'est parfait ça, on dirait. Ah, par contre, ça fait un peu mal. On se soignera tout à l'heure. Et puis, on va l'attaquer. Je pense qu'on peut faire ça. Et on va l'attaquer aussi avec. Tiens, on va l'attaquer avec tonnerre. Et puis on verra bien, ça devrait passer, je pense. Hein. Ouais, je suis assez d'accord avec toi en fait, Neva. Je suis assez d'accord avec toi. Il est un peu surcoté, ouais, effectivement. Dans Pikachu Let's Go, à la limite, comme c'était. Bah, je l'ai fait, j'ai fait toute l'aventure avec. Mais du coup là il était quand même plutôt pas trop mal. J'avais assez j'avais réussi à l'équilibrer, pas mal. Mais oui, oui, il y en a qui sont bien plus forts bien sûr. Et je parle pas de Mewtwo, tu vois, mais il y en a qui sont un peu plus forts. Mais là ce que j'aime bien cet opus là, c'est qu'ils ont plusieurs types en fait. T'as les Pokémon qui peuvent avoir plusieurs types et du coup c'est plutôt pas mal. Style, je sais pas moi, style insecte et roche ou tu vois des trucs comme ça. Et je trouve que c'est plutôt intéressant du coup pour le gameplay. Alors dans Let's Go, il était abusé. Par contre en plus, ouais mais c'est ça. Ce qu'il n'a pas sur cet opus là, dans Let's Go, il avait vraiment des coups mais vraiment très très puissants. Vraiment, et puis là, pas beaucoup moins, effectivement. Alors, de toute façon, tu vas affronter le champion, tu vas perdre. Tu vas prendre cher, pardon, excusez-moi. Tout le monde sait déjà qui on était, non? Je veux dire, je vais me faire crier dessus parce que j'ai pas enfilé mon costume, hein. Allez, hop, on va y aller. Eh bien, salut. Zali la bouclée, oui. Oula. Ah, Ethan. Je suis désolé, hein. Ces idiots de l'arène viennent de me dire que c'est pour moi qu'ils ont fermé le rideau. Mais n'importe quoi. Alors, fallait bien qu'on trouve quelque chose. Schmasig est en train de tomber à l'abandon. Et Peterson, le soi-disant champion, il fait rien. Il se contente de dire ça va aller. Ça va aller, les gars. Donc bah on a décidé de créer la Team Yell et on s'est dit qu'il fallait mettre des bâtons dans les roues aux challengers. S'ils peuvent pas entrer dans l'arène, ils seront bloqués, tu vois. Et Rosemary sera la seule à pouvoir terminer le défi et aller au Pokémaster. Ouais, ça se tient. Ça augmenterait tes chances de devenir maître, tu vois. Alors j'hallucine, on n'a même pas la définition de supporter. Ethan, t'occupe de tout ça et fonce. Allez, ok, on va y aller. Du coup. Ok. Ça lagouille un peu là. Mais c'est le jeu, hein. Ma pauvre Lucette, qu'est-ce qu'on a là? Salut. On peut lui parler ou pas? Je sais pas si j'ai un Nixon. On va voir, je sais, je suis pas sûr. Non, je dois pas avoir. On va regarder, mais je crois pas. Dans la boîte numéro 1, peut-être. Non. Tant pis une autre fois alors. Ouais. J'étais pas sûr de l'avoir. Allez. On va y aller. Oula, il a un problème le maître. Il a des yeux qui tombent. Hein.
C'est le rocker de diamant en fait, je pense. Piou! C'est pas trop tôt. Je me demandais si quelqu'un finirait par se pointer. Je commençais à grave déprimer en fait. Je me disais que si personne venait, c'était parce que j'étais trop naze comme champion et que mon arène était moisie. Ah, peut-être que t'es pas très très loin. Je suis Zikos. Mais non, il s'appelle Zikos. J'ai Louis Finn, j'ai bien entendu, le rideau de la ville est fermé, mais bon. Qu'est-ce que j'aurais pu y faire? Ah ouais, d'accord, il fait rien. C'est un Zikos. Comme si les Zikos, c'était des feignasses, tu sais, n'importe quoi. Alors, du coup, je me suis réfugié dans la musique pour oublier ma solitude. On n'a pas de gros stade moderne comme les autres à Smashing. On ne peut pas Dynamaxer les Pokémon ici, ok? Du coup, ce sera un combat basique, mais j'espère que ça ira quand même. Mais bien sûr que ça ira quand même, peu importe. C'est pareil. Pour nous, c'est pareil. T'inquiète pas, chouchou, pour nous, c'est pareil. Allez, amen. Mais non. Alors, le champion de Smashing ne craint personne, le virtuose des Pokémon ténèbres, Peterson. Tu oses venir me défier, erreur. Fallait te méfier, car mon équipe va te laminer, Smashing. Yeah. Mais n'importe quoi. Mais je le tiens bien quand même. Hein. Alors, Peterson, le champion d'arène, veut se battre. Allez, on est parti, les gars. On va lui faire cramer sa. Ouais, lui déjà, double pied, je crois. On va y aller comme ça. Alors, le public nous acclame, faut pas les décevoir. Badji en avant. On aurait dû se soigner avant d'attaquer. On a complètement oublié, c'est pas grave, on va lui faire un petit double pied. Ça va. Il va pas aimer. Est-ce qu'il faut faire des rimes? Ou c'est la déprime? On refait un double pied, ça va pas le louper. Ouais, c'est pas formidable, formidable, mais c'est pas mal quand même. Alors. Ouais, il nous fait baisser notre précision. Plutôt pas mal. On va y refaire un double pied, puis sinon, après on le soignera un petit peu. Mais normalement, ça devrait le faire pour là. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est pas mal déjà. On est sur de bons rails. Ok. Et alors, on gagne des points d'expérience, bien sûr. 1127 pour Didi, et puis les autres prennent un peu moins. Alors. Septiatros, on va pas changer de Pokémon. Et puis, on va soigner surtout. Ce sera mieux. On va attendre qu'il vienne, pardon. Oula. C'est pas terrible, c'était pas français ça. Montre ton envie de révolte avec ton talent. J'ai pas le temps de lire par contre. Alors, c'est la première fois qu'on affronte celui-ci. On va essayer avec une aire de feu et puis on verra bien ce que ça donne. Sinon, on changera. Notre fusil d'épaule, bien sûr. Ouais, il va falloir par contre se soigner là. On va aller dans le sac petit. Dans le sac, on va prendre une hyper potion, pardon. Fais voir. Ici, comme ceci, l'hyper potion, comme ça. Sur Didi, bien sûr. Ok. Allez, on est bon. Et après, on va réessayer de lui faire une attaque de type feu. Ouais, il nous fait mal par contre, hein. Allez, on va être obligé de se re-soigner, je suis désolé les gars. Et j'ai presque plus d'hyper potion. On n'est pas repassé par un magasin, on n'a rien fait, tu vois, j'aurais dû. J'aurais pu, certainement. Donc ça, c'est un peu moins fort. On va en profiter, pardon, pour attaquer, excusez-moi, on va grimper comme ça. On va en profiter pour attaquer, on va lui faire une aire de feu. Voilà, cette fois, il esquive pas. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Si on lui fait deux fois, on est bon. À moins qu'on lui fasse une Zidane. Allez, on lui fait un ballon brûlant. Normalement, ça devrait le faire. Ouais, c'est bon. Ça, c'est fait. C'est plutôt pas mal, les gars. Ok, votre équipe a gagné des points d'expérience. Oui. On est pas mal là. Peterson, le champion, envoie un Nixon.
Ils sont beaux, on va pas changer. Allez hop. Ixon, on y arrive comme ça. On va essayer de lui faire. Tu vas kiffer. On va par contre, on va se soigner. Fais voir. Une hyper potion. On va utiliser. Il nous en reste qu'une. Donc on verra un petit peu. Ce qu'on fait la prochaine fois. Sur Didi, oui. Allez. Donc ça c'est l'évolution de du blaireau là, je suppose. Allez, fais voir. Tiens, on va faire ça, on va voir ce que ça donne. J'ai pas vu combien il lui restait de. Il avait de Pokéball lui. On n'y est pas arrivé, on va essayer de faire air de feu. Ouais, c'est pas terrible hein. Alors ce morceau là je le joue à chaque fois pour mon public, je baisse pas les bras. Ouais, ça va, on va lui faire un double pied, regarde comme ça. Ouais, c'est pas mal, ça devrait le faire. Allez, encore une fois, et puis normalement on est plutôt pas mal. Allez, un double pied. Et il me semble qu'on est pas mal les gars. Alors c'est super efficace, toucher une fois, ok. Alors votre équipe a gagné des points d'expérience, oui. Comme ça, on est bien. Ah, ça fait pas mal là au niveau de l'expérience. Hein. Mastermind veut apprendre Rapace. Tiens, on va regarder ce que c'est ça. Ouais, voulez-vous oublier une capacité? Oui. Qu'est-ce que ça peut faire, Rapace? Pic-pic 35. Puissance 120. 15 sur 15. Picor 60. Tiens, on va remplacer par pic-pic, je pense. Ouais. Allez, on va faire ça. Ça peut être bien, ça peut être super efficace en fait. Tadam! Mastermon a oublié pic-pic et apprend Rapace. Ouais, c'est plutôt pas mal. On est bien. Je trouve qu'on est bien. Alors, changer de Pokémon. Bah non, on va rester avec ça. J'ai toujours pas regardé combien il lui restait en fait de Pokéball à nous lancer. Allez, un petit mouflard. Tiens, c'est la première fois qu'on l'affronte celui-ci. Je pense qu'on va le faire cramer, hein. On va y aller. Les gars, on va pas niaiser. Ouais, je pensais aussi, ouais. Je pensais aussi, Neva. Ça. Allez, la même chose. Patron, la même chose. Ok, ça c'est bon. Normalement, on est bon. Ouais, c'est bien. Bravo. Bravo, bravo. L'auto-congratulation, ça fait toujours plaisir en fait. Et là, on va se mettre comme ça. Alors, votre équipe a gagné des points d'expérience. Oui. Amandine remonte niveau 49. C'est pas mal ça. Alors, vous avez battu Peterson. Et voilà. Un nouveau badge. Il nous en reste plus beaucoup à voir en fait. Hein. Plus des masses. C'est son dernier. Voilà. Parfait ça. Parfait, parfait. Allez, on va ajouter un repère ici. Tiens, voilà le badge ténèbres. Merci, monsieur. Ah, mais c'est cool, ça. Ça, c'est cool. Du coup, il nous en reste combien, là? 3 de badge, c'est tout? C'est ça, 2 ou 3?
Alors, vous pouvez maintenant capturer des Pokémon jusqu'au niveau 55, ok. En cadeau, mon uniforme. J'hésite peut-être, mais je pourrais le vendre pendant mon concert. Allez, un uniforme ténèbres. C'est cool, ça. Il reste quoi? Qu'un seul... Eh, bonjour, Razor. Bienvenue. Razorback. Ah, ça, c'était un drôle de film, ça. J'ai pas de locas, j'ai pas de locas max. Ce qu'il faudrait, c'est que tu ailles sur le Discord. Les collègues, ils en ont certainement pas mal. Mais à te dire s'ils ont ce qu'il te faut, Razorback, je suis désolé, je peux pas te dire. Je te mets quand même le lien du Discord. Hop. Et puis, ah, zut. Et puis peut-être que si tu as de la chance, il y en a un des collègues qui a ça dans sa dans son escarcelle. Il faut que tu demandes à Angel peut-être, parce que lui je sais qu'il forme beaucoup, donc peut-être il aurait pour t'aider, Razorback. Je suis désolé, j'ai pas encore attaqué des chasses comme ça. Alors je parie que la suivante c'est Rosemary. C'est ma... Ah, c'est sa sœur, d'accord. Franchement, je suis ému. Franchement, je suis ému. Alors, c'était presque reluisant pour moi. Mais si, j'adore mater ton style de combat. T'es mon modèle, frérot. Eh ouais. Au fait, Rosemary, faut qu'on cause d'un truc tous les deux. J'aimerais bien te céder l'arène de Smashing. Tu ferais une bonne championne. Ouais, lui veut se concentrer sur la musique, je pense, hein, pas plus, hein. Alors donc, ouais, je sais, tu veux arrêter à la fin du tournoi, c'est ça? Moi, je pense que t'assures, tu dynamax pas tes Pokémon, et alors, t'es un super champion. Donc, tu m'excuseras, mais non, hors de question que je devienne la championne à ta place. Ok. Et puis bon, mon but c'est d'être maître, je veux pas être championne aussi. Ah ok, je comprends. Alors, voyons voir si tu as l'étoffe d'un maître. Battons-nous. Dis, Ethan, merci encore pour ce super combat, mais de rien. Ça se voit que mon frère a adoré. Mais là, c'est à moi de l'affronter. Tu veux bien nous laisser en tête à tête, mais bien sûr, pas de problème. Ok. Alors, t'as battu Peterson, pas vrai? Donc, tu as droit à une CT. Alors, aboiement, ok. Parfait. Et bien, on va y aller, les gars. Alors, vous mettez la CT 85 dans votre poche, ok. Aboiement, le lanceur hurle sur l'ennemi. Baisse l'attaque spéciale de l'ennemi, ok. Oh, tiens. Et c'est de la catastrophe sur la route numéro 9. Il y a même le maître et tout. Ah bon? Mais écoutez, on va aller voir. Alors, viens donner un coup de main. Suis-moi. Allez, on y va, les gars. On va sauvegarder quand même un tout petit peu avant pour éviter les désagréments, en fait. Et puis, bon, là, ça a dû le faire. Normalement, ça a dû le faire. K. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, Tarak. Ethan, t'es venu m'aider à trouver d'où venait ce bruit. C'est gentil, mais je m'inquiète. Je m'en occupe. Mais t'inquiète, pardon, je m'en occupe. Nabil et moi, Nabil et toi, pardon, vous avez qu'à vous concentrer sur le défi des arènes. Ok. Il te reste plus que le badge de Roy, le champion de l'arène de type dragon. Il est très fort. D'accord. C'est pour tout te dire, c'est le seul champion que je considère comme mon égal. Bon courage. Ah bah oui, carrément, ouais. Mais trêve de bavardage, pardon, j'ai du pain sur la planche. J'en bafouille. Alors, c'est une mission pour le maître invaincu de Galar. Boum. Eh, coucou Didi, ça va? C'est ton heure, toi, hein? 18h, c'est vraiment ton heure, mon chouchou. Alors, ça venait de l'autre bout du tunnel, je vais voir ce qui se passe. T'es en forme, ça fait plaisir de te voir. Alors, y a pas du changement sur la chaîne? Si? Non, ça te choque pas? Je suis content de te voir, en tout cas, vraiment, je suis content de te voir.
Du coup. Attends. Est-ce qu'on est guéri ou pas? Fais voir, je vais passer. Regardez mon équipe. On peut pas savoir, peut-être, si. Si, non, on est guéri, tout va bien. Tout va bien. Ah, c'est vrai, t'as pas reçu la notice, Tiff? Ah, mince, c'est bizarre ça. Ok. Re-Razor. Allez, hop, on y va. Allez, on va aller voir nos deux copains là. Alors, chante, danse, lance et mets tes baskets. Chouette, c'est sympa, tu verras. Bien. Non, c'est pas ça. Alors, le monde entier est en fait. Yes. Mon Pokémon et moi. On se sent vivre que lorsque nous dansons. Ok. Alors, Lilia et Jay, les artistes de rue, veulent se battre. Ouais, c'est gentil. C'est gentil, t'as bien fait, ouais, t'as bien fait, Didi, ouais. Ah ouais, bah c'était marqué sur le programme de la chaîne, mais c'est bizarre, ouais, des fois les notifs elles passent pas. Mon frère il me dit la même chose aussi, la dernière fois ça passait pas. Et du coup il était un peu décontenancé. Alors on va attaquer. Super efficace, ok. Ouais, bien sûr. On va faire cramer parce qu'on est bien. Pas très efficace, pas très efficace. On est bien conscient du problème. Fais voir, on va faire un coup de tonnerre. Bien sûr, là-dessus, mais on sait bien que ça n'ira pas. Il faut que je change de Pokémon. Ouais, du coup, c'est gentil. Merci d'être passé, en tout cas. Merci d'être là. J'aime bien. Alors, votre équipe a gagné les points d'expérience. Ok. Ouais, ça devrait pas lui faire grand-chose à celui-ci. Vraiment, clairement. Ce qui est normal. Aïe. Alors, fais voir. Est-ce qu'on peut changer Ethan? On peut le changer par Angel, non? Envoyé au combat. Didi. Ah non, ça va pas. Bam. Et on va l'envoyer au combat. Voilà. Didi est déjà au combat, ok. Bon, ça ira pas. Ça ira pas ce que j'ai fait. J'ai fait de la, voilà, de la bouse. Effectivement, ça me change. Je me méfie jamais parce que ça me change toujours le premier. Enfin, le peu de fois où j'ai voulu le faire, en fait. Ça me change le premier et c'est pas terrible. Ok. Du coup, on va envoyer Didi parce que c'était exactement ce que je voulais faire en fait, avoir comme équipe, mais c'est pas grave. Et oui, le spoil, c'est mal. Ça marche comme prévu. De quoi donc? Ah oui, t'essayes les. D'accord. Ok. Oui, bien sûr, ça fonctionne. Tu as la commande, mais il faut que je te mette mon dos. Je l'ai pas encore fait, je le mettrai tout à l'heure. Parce que j'ai fait toute la configuration cet après-midi, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Parce que si tu vois bien, on a installé la nouvelle cam, on a installé le fond vert. Et du coup, ouais, j'ai eu un peu de. Elle a fait, ouais, on va lui faire une tranche ça. Et puis on va attaquer avec Didi et on va lui faire une aire de feu. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de te le faire, mais comment tu trouves au fait, du coup, alors? Avec le fond vert et tout, ça te plaît ou quoi? Ok, on est bon, comme ça. Bah ça peut attendre, ouais, mais pas trop non plus. Pas trop. On va pas attendre trop. Ok, votre équipe a gagné des points d'expérience, normalement, on leur a mis ce qu'il fallait, là. On a mis la max. Tu sais pas pourquoi, ça quoi? Ça décrit deux fois? Je piche pas. J'ai pas fait gaffe. Je comprends pas. Alors, tu peux connaître mon secret pour rester en forme. Tu veux connaître mon secret pour rester en forme? C'est la danse, bien sûr. Eh mais oui, tu m'étonnes. Allez.
Hey, bonjour et bienvenue. Maman pour Lapine. Bonjour, maman pour Lapine. C'est très très rigolo ça. Très rigolo le pseudo. Merci, bonjour et bienvenue en tout cas. Allez hop, on va se mettre comme ça. Bienvenue à toi. Très rigolo ton pseudo. Très très rigolo. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Bienvenue. Installe-toi tranquillement, on est toujours paisible ici. Alors, quelque chose est tombé, bien sûr, on va continuer un petit peu à secouer. Comme Orangina, parce que sinon la pulpe reste en bas. Et puis, hop, on va arrêter, on est bon. Alors, on a ramassé ce qu'il y avait par terre, bien sûr. Alors, on a obtenu quoi? 3B. Une Solero. D'accord, prime. Panga. Ok, parfait. Allez, on décolle. Je suppose que c'est par là. Pour le direction badge de type dragon. Alors, tunnel de la route numéro 9. Bonjour monsieur. Waouh, ma parole, la terre tremble. Et si je me balançais en cadence pour accompagner le mouvement? Bah, si tu veux mon chouchou. Ah non, ça m'avance guère. N'importe quoi. Ah ou ça. Ça tremble, c'est Tarak. Allez hop. On peut pas passer comme ça. Et là, non plus. Non. Mais allez, mais poussez-vous, madame. Mais quelle est cette lumière rouge? Mais que fait un Pokémon Dynamaxé sauvage ici? Ok, c'est comme sur le géoglyphe de la colline, il se passe exactement la même chose, ok. Mais pourquoi peut-on pas passer? C'est vraiment bizarre de ne pas pouvoir passer comme ça. Du coup, on peut pas y aller. On va regarder un petit peu ce qu'il nous dit. Emprunter le tunnel de la route pour accéder à Kickenheim. Mais c'est ce qu'on essaye de faire, mais du coup, ça ne déclenche rien. Autant pour moi. Alors, c'est Tarak, oui, je veux bien. Est-ce qu'on peut passer? Ah, on peut passer comme ça. Je suis bête, j'avais pas vu. Autant pour moi, les gars, j'avais pas vu. Quand tu marques un truc, ça s'écrit deux fois, t'es sûr? Attends, j'ai pas vu. Attends, je vais regarder Didi, mais j'ai pas vu ça. Ça m'a échappé. J'avais pas reçu la notif. Non, ça a pas l'air pourtant. T'inquiète, ça peut attendre. Non. Ah voilà, d'accord. Ouais non parce que j'avais pas ce bug là sur l'ordi en fait, enfin sur le chat du live. Ok. D'accord, cool. Bon bah si c'est rentré dans l'ordre, tant mieux en tout cas. Allez, c'est bon. Waouh. Il y a Tarak qui est là. Alors, Ethan. Alors, t'as vu un peu ce qui s'est passé, c'est ouf, hein? Non, Tarak est pas ici. Non, j'ai juste entendu un gros bruit en fait. Sérieux, j'aurais dû être là. Il y a un gros bam, puis le frangin qui a rappliqué. Et là, une grande lumière rouge est apparue et un Pokémon sauvage du coin a commencé à se dynamaxer. D'accord. Eh ben, on n'a pas vu ça. On n'était pas là. Du coup, on n'a pas vu. Regarde. Ils en parlent aux infos. Ah bah ouais, mais Internet ne ment pas, les gars. Internet ne ment pas, les infos, c'est toujours juste. Ah là là. N'importe quoi, même là. Mais il est... Ah oui, d'accord. Mais c'est un miaou, ça, non? Je rêve. Il me semble, hein. Tu vois, c'est mon frangin. Il a vraiment trop la classe. Ouais, il pète la classe à Dallas, ça c'est sûr. Alors, lui et son Dragonfeu ont géré comme des pros. Je savais qu'il était fort le frangin, mais là j'en reviens pas. D'accord. Enfin bref, allons le rejoindre. Il doit être au stade de Kickenheim. Eh ben écoutez, on va lui faire un saut au stade de Kickenheim. Non, c'est pas un Miaouss, j'avais l'impression en tout cas. Qu'est-ce qu'on est nous? Salut? Ah oui. C'est un comme ça. Voilà, c'était pas un Miaouss, c'est un Bezarkat. Exactement, tu as raison, Didi. Je sais plus si je t'ai demandé si t'avais été gâté à Noël et si t'avais eu tout ce que tu voulais, Didi. Je suis désolé, mais il y a des fois j'ai un peu des trous de mémoire.
en fait. Il y a vraiment des fois où je guéguette un peu. Je sais plus à qui je demande quoi, en fait. Et je t'avouerai que j'ai eu un peu. J'ai eu pas mal de trucs à faire, et du coup, des fois, je sais plus. Allez, on y va. En tout cas, la one shot avec ça, là, c'est plutôt pas mal. On va regarder sur la carte. Je vais sauvegarder déjà. Et puis, on va regarder sur la carte où est-ce qu'on est. Parce que, quand même, tout de même. Du coup, on est presque bon là. On peut presque aller à l'arène. Il nous manque plus qu'un badge du coup. Ah mais oui, t'avais mis ça à fond, exact. Les voisins, ils devaient être contents. Non, oui, tu m'avais dit, ouais, exact. Excuse-moi, hein, des fois, papa la galère, elle est un peu fatiguée. Alors, je présume que tu es un dresseur, pardon, redoutable. Bats-toi contre moi et prouve-le. Ok, allez, on va faire ça. Alors, Julien le gentleman veut se battre. Ok. Un Dimoclès, il est magnifique le Dimoclès. On ne connaissait pas. Waouh, mais ça, c'est beau, ça, dis donc. Du coup, le Dimoclès, je suis pas sûr qu'une aire de feu ou qu'un. Peut-être une aire de feu, allez, on va voir. Ah si, ça fait effet. Ouais, c'est pas mal, ça fait le taf. Attendez, je vais mettre ça là. Ça fait le taf, les gars. Alors, l'équipe a gagné des points d'expérience. Ouais. Deux secondes, je vous demande 2 secondes. Il faut que je réponde absolument à un petit message. D'accord. Ok, ça va. C'est quand même assez spécial le pseudo qui vient de s'abonner. Je savais pas que sur Twitch ça existait aussi, mais bon. Génération 5, type combat ou acier. Eh ouais, d'accord. Eh ben, tu vois, mais il est super beau en tout cas. Vraiment, hein. Vraiment beau. Allez, on va continuer. Désolé pour la petite interruption, les gars. On va continuer. Et maintenant, un Quatermac. Ah, j'adore. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, les Quatermac. On va pas changer, par contre, on va laisser ça. Puisque il va falloir le faire cramer. Les Quatermac, ça aime pas le feu. Mais c'est pas. Il y a. Tiens, regarde. On va aussi utiliser l'air de feu là-dessus. Enfin, sur le Quatermac, pardon, là-dessus. C'est pas très, très sympa. C'est quand même un Pokémon. Alors, il augmente un petit peu son attaque. Est-ce qu'on va faire. Et sa défense aussi. Ok. Et nous, on va continuer avec l'air de feu. Hein. On va, je pense, arriver. Sixième gène, spectre et acier, d'accord, ok, Dimoclès. Comme vous voulez, les gars, moi je peux pas vous dire, hein. C'est pas moi qui vais pouvoir vous dire des choses comme ça. Je veux bien, mais pas là, en fait. Ok. Allez, on est bien. Est-ce qu'on change de Pokémon? Poltegeist. Non, on va pas changer. Tiens, on va garder Lydie comme ça. Ah, il est trop beau. On dirait qu'il sort de tout droit de La Belle et la Bête de Disney, les gars. Est-ce que vous croyez qu'un double pied là-dessus, ça peut le faire? C'est possible. Ah non, pas du tout en fait. D'accord. On va attaquer du coup avec une nitro charge, on verra bien ce que ça dit. Ouais, merci, ouais, j'ai un petit peu tard en fait. Un petit peu tard, mais c'est pas grave. Mes mains, c'est pas grave du tout même. Ok, votre équipe a gagné des points d'expérience, on est vraiment bien, hein. Vraiment, 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 ça se passe bien. Vraiment, on est plutôt pas mal comme ça. Ok, on a battu le gentleman. Ah, tu vois, j'avais raison. Ethan remporte 8800 Poké-Dollars. Waouh. C'est la fête à neuneux, les gars. Alors, du coup, c'est par où que ça se passe?
Parce que là, on rejoint quoi? La route numéro... Ah oui, d'accord. Oui, ça, on était passé par là. Il y a un truc qui brille là, mais je veux pas me faire... Voilà, ici. On va prendre ça. Type normal et combat n'affecte pas les types spectre. D'accord. Ok. Allez, route numéro 7. Voilà. On va soigner tout le monde. Et puis je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter, les gars. Quelle heure il est? Ouais, 18h, on va pas tarder. Ça fait un petit live, hein. C'est vrai que ça fait pas un gros live, ça fait un live d'une heure. Mais je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. On essaiera peut-être d'en refaire un ce soir de live, peut-être un peu plus. Ah. Il y a des fois ça. Le fond vert begouille un peu. Des fois, ça arrive. C'est pas grave. Je vois ça sur le retour. Mais c'est plutôt propre, je sais pas ce que vous en pensez, ça a l'air plutôt propre quand même. Alors, on va soigner tout le monde. On va prendre des Pokéballs, on va prendre un petit peu de quoi, des soins, des hyper soins parce qu'on n'en avait plus. Et on va faire un petit peu un check et un topo de tout ce qui nous manque en fait. Et puis comme ça, on verra un peu. On fait voir. Hop, 2 secondes. Ça me paraît. C'est un peu. Fait voir. On va déplacer ça. Ah non. Je peux pas la déplacer mieux que ça, tant pis. Ouais. Tant pis. Ok. Merci d'avoir attendu. Votre équipe a retrouvé la santé. Ouais. Allez, à bientôt. À bientôt. On va aller ici. Alors, mais je vous reconnais, vous avez terminé la mission. Félicitations à la récompense. Vous avez désormais accès à plus de produits dans nos établissements. Mais je parle, j'en oublie. Bienvenue à la boutique Pokémon. Que désirez-vous faire? On va essayer d'acheter. Fais voir un peu. Alors, on a toujours des Hyper Balls. Est-ce qu'on a ce qui... On pourrait en prendre un tout petit peu plus, je pense. Hein. Mais ce qui nous importe pour l'instant, c'est plus les Hyper Potions. On va en prendre pour 20 000, hein, je pense. Ouais, 21 000. Allez, pour 21 000, ça fait 14. On en avait une en stock, donc ça fera 15. Waouh, vous avez vu, je sais bien compter quand même. Hein, ça m'arrive des fois. On va prendre. Ah, il y a des potions max aussi. J'avais pas vu. Tiens, on va prendre des potions max. On va en prendre. Tiens, on va en prendre 8. L'argent défile. Hop. On va prendre fait voir du rappel, repousse max, super pouce, poké pouce, tri pouce, repousse, retoutou pouce. Non, je dis n'importe quoi, je plaisante. Tiens, on va en prendre 4 comme ceci, et puis après, on va prendre des hyperboles pour le reste. Je pense que c'est pas mal. Et salut, Merla Galère, comment tu vas? T'es en forme? Alors, qu'est-ce que t'en penses, ma chérie? Fais voir, on va faire. Une hyperbole comme ça, on va en prendre plusieurs, on va en prendre au moins pour 20 000. Ouais, allez, 25 600, ça ira très bien. Et comment ça se passe le travail du coup, les filles? Ça se passe comment en fait? Allez hop, comment fait-on? Je pense qu'on est bien là. Il nous offre des Honor Ball, ok. On va revenir en arrière, on va sortir de là. Non, pardon, autant pour moi, excusez-moi. Ok, allez, on sort d'ici. Quelle chance, merci Père Noël, mais bien sûr, merci Père Noël. Et t'as vu, j'ai réussi à régler finalement. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oh. Allez, on va aller voir dans la boîte là. On va aller récupérer nos Pokémon qu'on avait envoyés dans le Poké Service en mission. Alors, tu as gagné un nouveau badge. De nouvelles multi-missions sont maintenant disponibles. Ok. Et on va en renvoyer, plusieurs. Mission grillade. Ok. On va récupérer ça. Tout le monde a dû prendre un petit peu de points d'expérience. C'est plutôt pas mal. Et justement, mais la galère, on allait s'arrêter si tu... on allait s'arrêter là, je faisais vite ça, et puis... Enfin, vite ça, non, je faisais un petit peu ça. Et puis, on allait arrêter le live ici.
Je t'avouerai que le live sur la chaise que je viens d'installer là, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors, mon petit doigt semble avoir quelque chose à vous donner. Eh ben oui. Allez, on va le prendre. Mission accomplie, mission accomplie. On va. C'est l'heure de la récolte. On va se faire celle-ci aussi. Et puis voilà, non, j'ai alors il faut que je change de t-shirt, mais la galère, parce que tu vois, j'ai fait l'erreur de mettre un t-shirt bleu pendant sur un fond vert, c'est pas le top des haricots, quoi. Donc je pense que je mettrai du noir ou autre chose, en fait. Alors, mission accomplie. Mais du coup, c'est pas mal, je trouve que ça a l'air de donner plutôt pas mal. Ok, vous essayez d'envoyer plusieurs Pokémon de mes types adaptés, ok, on fait ça. On va récupérer ceux-là aussi. Et puis après on les renvoie en mission et puis on finira là-dessus, je pense. Bon travail, mais bien sûr. Ah, c'est le séminaire sur les PV. Ouais, ok. D'accord. Mais écoutez, ouais, c'est pas mal, les stats augmentent, on est bien là. Alors, Neige semble avoir quelque chose à vous donner, ok. En récompense du bon travail fourni, vous recevez deux paquets de saucisses. Mais alors, si c'est pas nickel, ça? Moi, j'adore les saucisses. C'est des knacky balls ou des saucisses-saucisses? Parce que il faut être. Si c'est des knacky, c'est autre chose. Hein. Il faut être sûr, les gars. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Vos Pokémon sont revenus de mission. On est bien. La vitesse de base des Pokémon. Yep. Ah oui, ça c'était pour le séminaire sur la vitesse, exactement. C'est vrai. Alors, ils recrutent. La sécurité aérienne avant tout. Mieux pour vous voir nos assurances, mais n'importe quoi. Cueillir des fleurs en forêt. La météo au boulot, pas dodo. Des rochers nous gênent. Ok, recherche de top modèle. Eh ben oui, ben oui, mais bien sûr. Allez hop, 9 Pokémon max. Allez, on va essayer ça. On va envoyer là. Non, t'inquiète pas, merci Didier, à plus. J'oublie pas, je fais ça dès que j'ai fini le live, mon chouchou. Pas de problème. Alors, tiens, regarde, on va faire comme ça, parce que lui, on l'aime bien. On va l'envoyer. On valide. On valide. On valide. On va valider, ouais, tous les premiers, c'est pas un problème. On enverra Kwaki aussi, bien sûr. Allez, ça c'est bon. Eh, mais ça va, mais merci beaucoup en tout cas d'être là et d'être toujours là. Et puis à plus tard, merci, ciao ciao babies, bye. À la prochaine, merci bien. Allez, longue durée, oui, bien sûr. On va faire du longue durée. Ça leur octroie, je suppose, plus d'expérience. Cette mission est encore, oui, c'est pas celle-là qu'on veut, c'est là. On va recruter. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tiens, celui-là, on connaît pas. On va envoyer lui. Lui. Nick Fury. Le Morpion. Ouais. On va envoyer celui-ci. On va passer dans la boîte numéro 2. Tiens, regarde. Ce qu'on n'a pas, c'est on n'a pas réussi à avoir un éléphant, en fait. Il faudrait qu'on puisse en avoir. Il faut aussi qu'on aille chercher des choses aussi. Ouais. Allez. Un topaz, on valide et on va envoyer un bourrin aussi. Il était vachement bien, ils étaient vachement bien ceux-là aussi, hein, mine de rien. Ok, on va envoyer ça en mission, longue durée, et puis on va s'arrêter là, les amis, pour ce soir. Et on se retrouvera très très vite. On se retrouvera demain. Je me souviens plus ce que j'avais programmé demain, par contre, mais on se retrouve demain, c'est sûr. Mais je vais vous dire ça. Ok, on va sortir de là. À bientôt et merci. Allez, on sort d'ici. On va sauvegarder notre aventure et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a passé un bon moment ensemble. On va sauvegarder comme ça et comme ceci. Ok, et eh bien écoutez les amis, merci d'avoir été avec moi cet après-midi, merci d'avoir pris un peu de votre temps pour jouer avec moi. Je vais vous dire.
On se retrouve, ah oui, voilà, on se retrouve dès demain 10h. On se retrouve dès 10h pour du Death Stranding et du Jedi Fallen Order à 15h. Et entre, j'essaierai de glisser un petit peu je suppose, de Zelda Breath of the Wild parce que j'ai envie d'en refaire en ce moment. Mais en tout cas, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Je vous remercie d'avoir assisté au live et d'être passé faire un saut. On se retrouve très très vite. Si le live vous a plu et si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à partager la chaîne avec vos amis. Je vous embrasse très très fort. Et puis comme ça, plus on est de fous, plus il y a de monde sur le live et plus c'est amusant pour tout le monde. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et on se retrouve très très vite. Allez, à ciao les amis. Merci beaucoup. Allez, ciao. Bye bye. Merci.